2024. I got goggle and all that. Guarda, eccola. Journée spéciale à Paris le samedi 7 décembre 2024. C'est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a de l'effervescence dans l'air. Là, je suis devant l'hôtel de ville de Paris. Il est 12h30. Ici, je crois que c'est le pont d'Arcole. C'est bon. Place de l'hôtel de ville Paris, samedi le 7 décembre 2024. Une journée d'effervescence à Paris. À l'heure de Noël, au bazar de l'hôtel de ville. C'est une journée d'effervescence parce que c'est la réouverture de la cathédrale de Paris, 7 décembre 2024. Il y a plein de policiers, il y a plein de gendarmes, il y a plein de CRS. Thank you.
Et il y a plein de rues qui sont bloquées autour de la cathédrale. Et il y a du vin. Et il fait froid. Samedi 7 décembre 2024 à Paris, il est très midi. Et c'est la reconnaissance, la grosse interprétance concernant la réouverture de la cathédrale de Paris. Il y a du vin et c'est frais. Très frais. Là, je suis tout près de l'hôtel de ville de Paris. On ne peut pas traverser. Alors que vous habitez l'île de la cité. Ici, c'est le bus, arrêt de bus Châtelet, quai de Gèvres. Tout près de la fontaine, la place Châtelet. Paris, 7 décembre 2024. C'est l'effervescence à Paris à cause de la réouverture de la cathédrale de Paris. Ici, je suis tout près de la place du Châtelet. On ne peut pas traverser à moins que j'aille de l'autre côté sur l'île de la cité ou l'île Saint-Louis. Paris, centre-ville, près de l'hôtel de ville de Paris, près de la place du Châtelet. C'est l'effervescence à Paris. On est le samedi, le 7 décembre 2024. Il y a un beau ciel bleu avec un mélange de nuages et le vent très froid.